Hello les fanagilistes, aujourd'hui on passe au huitième épisode du Scrum Guide. Donc petit rappel, c'est la lecture complète du Scrum Guide, avec les bonnes interprétations à avoir. Donc si vous n'aimez pas lire, écoutez-le. Donc, si vous avez suivi les épisodes, le dernier épisode était autour du product backlog. Et eh bien aujourd'hui, on va continuer sur les artefacts et on va voir le sprint backlog et l'incrément. Deux notions essentielles. Le backlog sprint. Le backlog sprint est l'ensemble des éléments sélectionnés pour le sprint, plus simplement pour livrer l'incrément du produit et réaliser l'objectif du sprint. Le backlog sprint est une prévision que l'équipe de développement fait de la fonctionnalité qui sera présente dans le prochain incrément et le travail nécessaire pour livrer cette fonctionnalité dans un incrément fini. Le backlog sprint prend visible tout le travail que l'équipe de développement identifie comme nécessaire pour atteindre l'objectif du sprint. Pour assurer une amélioration continue, il comprend au moins une amélioration de processus hautement prioritaire identifiée lors de la précédente réunion de rétrospective de sprint. Le backlog sprint est un plan suffisamment détaillé pour que la progression soit compréhensible lors de la mêlée quotidienne. L'équipe de développement modifie le backlog sprint tout au long du sprint, et le backlog sprint émerge durant le sprint. Cette émergence a lieu alors même que l'équipe de développement exécute le plan et découvre le travail nécessaire pour atteindre l'objectif du sprint. À mesure que du nouveau travail est nécessaire, l'équipe de développement l'ajoute au backlog sprint. Lorsque le travail est effectué ou complété, les estimations du travail restant sont mises à jour. Lorsque les éléments du plan sont jugés inutiles, ils sont écartés. Seule l'équipe de développement peut changer son backlog sprint durant un sprint. Le backlog sprint est une vue en temps réel et très visible du travail que l'équipe de développement prévoit d'accomplir durant le sprint et il appartient uniquement à l'équipe de développement. Alors, je ne sais pas si à la lecture vous avez compris, donc vous vous rappelez, le product backlog c'est l'ensemble des éléments qu'on aimerait réaliser pour faire le produit qu'on désire faire. Eh bien, le sprint backlog c'est un backlog qui va durer tout le long de vie du sprint. Donc, si vous avez un sprint de deux semaines, votre sprint backlog va durer deux semaines. Et donc, dès la planification du sprint, on va mettre tous les éléments qu'on pense nécessaires pour atteindre l'objectif du sprint. Donc, cela peut être évidemment des améliorations, des fonctionnalités, des fonctions, des corrections, etc. etc. Rappelez-vous du Product Backlog. Et l'équipe de développement va tenter de réaliser ce Sprint Backlog pour proposer à la fin du sprint un nouvel incrément et surtout un nouvel incrément qui répond à l'objectif du sprint. Alors n'oublions pas que dans le sprint backlog, on intègre également le plan. Vous vous rappelez, on en avait parlé lors de la sprint planning. C'est super important, le plan de réalisation. En gros, le plan pour expliquer comment on va essayer d'atteindre l'objectif du sprint, il doit être inclus dans ce sprint backlog. Et il est également essentiel que ce sprint backlog soit transparent. Et c'est pour ça, souvent, qu'on utilise le management visuel. Même si le management visuel n'est pas imposé par le Scrum, il y a beaucoup de coachs agiles, forcément, qui vont vous recommander de faire du management visuel, parce que c'est probablement la meilleure façon d'être transparent sur le sprint backlog. Mais donc attention, n'oubliez pas que votre sprint backlog ne peut pas contenir que des user stories si jamais vous utilisez des user stories. Mais également les sous-tâches techniques, donc le découpage qui explique le plan pour réaliser l'ensemble de ces user stories. Et la petite subtilité vraiment importante qui est trop souvent oubliée dans les équipes Scrum, on doit intégrer dans le sprint backlog l'amélioration majeure qui a été définie lors de la précédente sprint rétrospective. C'est une façon d'être transparent sur les améliorations qu'on a à faire et surtout de ne pas oublier de la faire. Et pour finaliser ce point, ce qui est très important aussi, c'est de se rappeler qu'un sprint backlog c'est quelque chose de dynamique donc il y a des éléments qui vont se rajouter, des éléments qui vont s'enlever. En revanche toute modification doit toujours être liée à l'objectif du sprint qui lui est fixe. Mais comme les équipes de développement peuvent parfaitement découvrir des choses en avançant sur le travail qu'ils réalisent, cela peut amener le sprint backlog à être modifié que ce soit au niveau du plan, au niveau des items. Mais n'oublions jamais que ces modifications doivent être liées à l'objectif du sprint. Suivi de la progression du sprint. À n'importe quel moment d'un sprint, la somme totale du travail restant dans le backlog sprint peut être calculée. L'équipe de développement fait le suivi de cette somme de travail restant au moins à chaque mêlée quotidienne pour évaluer la probabilité d'atteindre l'objectif du sprint, en effectuant le suivi du travail restant tout au long du sprint l'équipe de développement peut gérer son avancement. Et cette partie rappelle qu'il est vraiment important de s'inspecter de façon à s'assurer qu'on est dans la bonne direction pour atteindre l'objectif du sprint. Le graphique généralement le plus utilisé en Scrum s'appelle le Bird Down Chart. Vous pouvez aller chercher la vidéo sur une chaîne YouTube si jamais vous ne connaissez pas ce graphe. Il est cité juste une seule fois dans le Scrum Guide mais il n'y a aucune explication autour de ce graphe. Et ce graphe permet chaque jour en fait de voir un petit peu comment on va par rapport à l'objectif du sprint et peut permettre à l'équipe Scrum en effet de revoir le plan ou les items de façon à s'assurer qu'elle va atteindre l'objectif du sprint. L'incrément. L'incrément est constitué des éléments du backlog produit fini pendant le sprint ainsi que de la valeur cumulative des incréments livrés dans les sprints précédents. À la fin d'un sprint, le nouvel incrément doit être fini, ce qui implique qu'il doit être dans un état publiable et qu'il correspond à la définition de fini (definition of done) de l'équipe de développement. Un incrément est la partie d'un travail fait qui prend en charge l'empirisme et vérifiable à la fin du sprint. L'incrément est un pas vers une vision ou un but. L'incrément doit être dans un état publiable sans égard à la décision du product owner de le publier ou non. Alors, l'incrément, qui est le troisième artefact, est relativement simple à comprendre. Lors du précédent sprint, vous avez quelque chose qui est potentiellement publiable, en gros une version du produit que vous pourriez mettre en production demain. Et ben, à la fin de ce nouveau sprint, l'incrément c'est ce fameux produit potentiellement publiable auquel on ajoute tous les éléments qui sont considérés finis à la fin du sprint. Et ceci crée le nouvel incrément. C'est pas plus compliqué que ça, mais en gros, à la fin de chaque sprint, en gros, l'incrément, c'est le produit potentiellement publiable, mis à jour par les travaux réalisés par l'équipe de développement. Et deuxième point important, l'incrément appartient concrètement à l'équipe de développement et non pas au product owner, ce qui différencie énormément le Scrum par rapport aux méthodes traditionnelles. En revanche, c'est le product owner qui décide ou non de publier le produit, et cela va dépendre évidemment de la stratégie qu'il a envie de mettre en place par rapport à ce produit. Et il n'y a rien d'autre à dire autour de l'incrément. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode du Scrum Guide vous a appris Plein de choses et sachez qu'il restera plus qu'un seul épisode pour terminer l'ensemble du Scrum Guide avec ses interprétations. Allez, ciao les fans!